Salam alaikum Azul Filaoun, bonjour. Ils ont été libérés finalement. Ils ont pu retrouver leur famille. Deux parmi eux sont absents et manquent. L'un est mort des suites d'une maladie chronique et l'autre assassiné par ses ravisseurs, semble-t-il. Et ainsi, pendant que des familles fêtent dans la joie le retour des leurs, une joie légitime, après plus de deux longues années, d'autres pleurent les leurs, qui ne reverront plus jamais. Pendant ce temps, Sellel parade. Il ne craint pas le ridicule de se faire prendre en photo. Avec un grand sourire entre les deux otages libérés, habillés pour la circonstance de survêtement de l'équipe nationale. Pourquoi cette énième outrance, cette grossière faute de goût d'habiller des diplomates qui viennent d'être libérés, qui ont passé deux années à être baladés partout dans le Sahel, loin de leur famille, de les habiller, de les déguiser du survêtement officiel de l'équipe nationale? C'est quoi cette impudeur, ce mépris pour le peuple algérien au moment où il fallait plutôt observer de la réserve et de la retenue, ne serait-ce que par respect pour les familles endeuillées qui ne retrouveront plus jamais leurs parents morts, décédés, dont l'un a été assassiné. C'est dire que le ridicule est l'apanage des dirigeants algériens, qui ne savent vraisemblablement pas ce que retenue veut dire, dont l'aplomb est presque une insulte à la douleur des familles qui ne reverront plus jamais leurs parents. Un communiqué du ministère des Affaires étrangères a donc finalement confirmé la libération des deux otages par le Mujahou, Mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest. Rappelons que ces deux diplomates, Qaddour Miloudi et Mourad Gissas, avaient été enlevés avec cinq autres diplomates algériens le 6 avril 2012, du consulat algérien de Gao, au Mali. Parmi les sept otages, donc, trois avaient été relâchés trois mois après leur rapt, et deux autres sont morts. L'un des défunts, le consul Boualem Saïs, a trépassé à la suite d'une maladie. Et l'autre, le vice-consul Tahar Touati, aurait été exécuté par ses ravisseurs. On en saura plus dans quelques jours. Le Mujahou avait tout de suite revendiqué l'enlèvement des sept diplomates du consulat d'Algérie à Gao avant qu'ils ne relâchent en juillet de la même année, trois donc d'entre eux, comme nous venons de le dire. L'Algérie affirme avoir résolument refusé de payer toute rançon. Et selon Ali Zawi, vice-président du mouvement arabe de la Zawed international, les négociations menées par la France pour faire libérer ses propres otages citoyens français, quatre enlevés à Arlit dans le nord du Niger, et la rançon de 90 millions d'euros, dit-il, payée par la France en novembre 2012 aux ravisseurs des quatre citoyens français enlevés dans le nord du Niger, serait venue compliquer les négociations, affirme-t-il. Rappelant que la France nie avoir payé une quelconque rançon à l'ACMI, alors que d'autres sources confirment le paiement de cette rançon et évoque même la médiation de services algériens dans les négociations entre la France et l'ACMI qui avaient enlevé ces otages. De nombreuses questions se posent dans cet embrouillamini qui est devenu le Sahel, où une foule d'intervenants de tout ordre, de tout acabit, de toute nature, complique une situation déjà très compliquée. Dans une région hautement stratégique, autant pour les Occidentaux que pour une Chine qui se fait invisible. Une région devenue la plateforme de trafic en tout genre, notamment de drogue, d'armes et de cigarettes de contrebande, de produits alimentaires. Mais cette région est aussi une curieuse arène où s'affrontent par groupes terroristes interposés les services marocains et algériens, et où une aile du Polisario joue un rôle particulièrement pesant. L'intervention directe de la France dans la région et la volonté des Américains plus qu'affirmée
d'installer une base de l'Africom dans ses alentours est significative des enjeux et des visées des uns et des autres. La prolifération des groupes mi-mafieux, mi-idéologiques procède de manipulations de tout ordre. Aujourd'hui, le soir d'Algérie, alors que le consul Boualem Saïs est mort, souffrant de maladie pendant sa détention, les deux derniers diplomates algériens otages au Mali libérés. Le soir d'Algérie, Abdelaziz Rahabi sur la libération des otages. Il faut que les responsabilités soient clarifiées. Liberté. Après 28 mois de captivité, les diplomates algériens libérés. Les invités d'aujourd'hui seront Sofiane Gilali, président de Gil Jadid, et Sofiane Schwitter, juriste en justice transitionnelle à Montréal. Sofiane Gilali, merci de nous avoir rejoints. Avec plaisir. Pour El Maghrebi, en plus. Merci infiniment. Alors, Sofiane Gilali, que vous inspire cette libération? Comment, d'abord, que vous inspire cette libération pour en rester là? Écoutez, tout d'abord, on a une pensée sincèrement désolée et de recueillement pour Boualem Saïs et Tahar Touadi. Ils ont été martyrs de leur devoir. Je le regrette d'autant plus qu'en avril 2012, il y avait des demandes très fortes pour que le personnel diplomatique installé à Gao quitte la ville et que malheureusement, apparemment, les fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères, peut-être même M. Medbelke lui-même, leur ont enjoint de rester en poste, mais bien sûr sans leur assurer aucunement leur sécurité. Par ailleurs, nous sommes bien sûr soulagés de la libération de Mourad Kessous et Kaddour Meloudi, qui ont suivi donc, les trois premiers otages qui avaient été libérés il y a quelque temps. Et bien entendu, pour nous, beaucoup mieux de voir des citoyens, des concitoyens libres que sous la menace de groupes terroristes. Maintenant, que voulez-vous qu'on dise? Bien sûr, à travers le monde, il y a une affaire d'otages par-ci, par-là. On ne peut pas toujours accuser les autorités. Il y a des mouvements factieux, des rébellions, etc. Mais cette libération, comme la prise d'otages d'ailleurs, sont restées complètement occultées. Elles sont un peu dans l'inconnu. Personne ne sait exactement ce qui s'est passé. Et donc, le commentaire ne peut être que très, très général, malheureusement. Exactement. Et nous aurons tous remarqué qu'il y a carrément, c'est dans une opacité absolument incroyable. On ne nous dit rien, ni la presse, ni le politique. On ne sait rien de ce qui se passe dans ces histoires, ni qui a vraiment enlevé, ni comment ça s'est passé, ni s'il y a un rançon, ni s'il y a eu des tractations, avec qui, entre qui. Pourquoi entretient-il une telle opacité dans cette région? Est-ce que réellement... il y a des injonctions venant d'autres puissances de ne pas faire de lumière sur ce genre de rapt? Je ne sais pas. Je ne voudrais pas faire juste de la spéculation sans aucun élément. Ce qui est sûr, c'est que si le gouvernement est silencieux et qu'il n'a pas beaucoup de choses à présenter à l'Occident, sinon ces malheureux otages qui ont été libérés, comme vous l'aviez si bien décrit, habillé en tenue d'équipe nationale et M. Sellem rayonnant de joie, nous démontrant comme bien auparavant M. Roule qui arborait une pseudo-boîte noire comme si c'était une trophée, ce qui a choqué le monde entier d'ailleurs. Que voulez-vous qu'on dise? C'est un comportement d'un gouvernement qui ne connaît plus, qui n'a ni le bon goût, comme vous l'avez dit, ni le minimum de diplomatie, ni de comportement d'homme poli et d'homme civilisé. Mais ce sont des gens qui n'ont plus rien à faire, qui n'ont apparemment amassé les avantages et laissé tomber la vie. Avec les otages ou sans otages, le pays de toute façon est à l'abandon. La diplomatie oui. ne donne plus rien, mais il n'y a pas que la diplomatie. C'est la diplomatie, l'administration,
c'est l'insécurité dans le pays. Comme vous l'avez relevé, il y a à peine quelques jours, un jeune a été condamné à 2 ans de prison parce qu'il avait filmé des policiers en train de voler. Exact. Voilà le signal que nous dit M. Bouteflika et son régime. Il faut vous taire devant les vols commis par les plus hauts responsables, sinon on vous met en prison. Exact. Que voulez-vous qu'on dise de plus ? Exact. Que voulez-vous Alors, s'il est payé une rançon ou pas, M. Bouteflika paye, il ne fait que payer. Il paye les étrangers, il paye la mafia dans les affaires, il paye les gens pour être silencieux, il paye les jeunes pour qu'ils aillent se droguer. Voilà, et voilà ce qu'ils ont fait de ce pays. Que voulez-vous qu'on dise de plus ? Nous sommes en train de s'enfoncer dans des problèmes insolubles. Et le mur est juste en face de nous. Vous avez écrasé un œuf sur la table il y a quelques jours. Oui. Je crois qu'on est dans cette situation. M. Bouteflika et son régime sont en train d'écraser l'Algérie pour qu'elle finisse. Voilà. Oui. C'est aussi simple que cela. Restez avec nous, Soufiane Djilali. Soufiane Chouiter, merci, merci de nous avoir rejoints. Je vous remercie moi-même, M. Jamaldine. Alors, selon vous, qu'est-ce qui a fait que cette libération se soit produite maintenant? Pourquoi, après 2 ans, comme ça, sans qu'on ne nous ait rien annoncé? Vous savez, avant tout, je profite de cette occasion, c'est pour exprimer mes sincères condoléances aux deux familles des diplomates qui sont morts, Rabbi Yarhamhum. Alors, pour répondre à cette question qui est vraiment très difficile puisqu'on ne connaît pas vraiment les dessous de cette affaire, mais je peux dire que ça dépend des probabilités du mobile du crime, tu vois. C'est à titre d'exemple, je dirais à titre d'exemple, c'est dans la probabilité que l'enlèvement de ces diplomates a été fait par un groupe au pouvoir algérien pour donner une justification à sa participation dans les efforts de guerre des Français dans le conflit de Mali. Vous savez, à cette époque, d'après des informations et des sources bien informées, il y avait un désaccord entre le haut commandement militaire et la présidence, et même entre le haut commandement lui-même divisé sur sa participation, l'autorisation de ce rôle de l'aviation de guerre française sur le ciel algérien pour participer au bombardement du nord de Mali. Donc il y a une probabilité que peut-être les autorités algériennes ont besoin d'une justification pour participer à ces opérations. C'est d'organiser une opération de kidnapping. Et ça, en droit international, ça permet à un État d'intervenir, y compris militairement, pour libérer ses otages, etc. Donc, c'est cette probabilité. Maintenant, puisque le conflit est pratiquement terminé, il y a plus raison de les garder. Alors, si on applique les autres probabilités, disons plus rationnelles, comme quoi le mouvement est indépendant des pouvoirs algériens ou français, là c'est un peu bizarre. Parce que, vous savez, le mobile de la prise d'otage, il faut qu'il y ait une demande, soit une demande d'une rançon, une demande de libération des prisonniers affiliés à cette organisation, et exceptionnellement, la demande peut transformer comme un moyen de survie si le groupe a été encerclé par les forces de l'ordre. Oui. Or, ce qu'on constate actuellement, on ne sait pas s'il y a une demande ou non. Les autorités algériennes affirment à plusieurs reprises de façon officielle qu'ils refusent de donner de leçons au groupe terroriste. Et comme par hasard, après 2 ans, un groupe de guérilla, vous savez, prendre des otages parce qu'ils se déplacent facilement, donc prendre des otages, ça devient lourd. Il faut les nourrir, il faut les surveiller, etc. Pendant 2 ans, oui. Ils les relâchent. Oui. Sans contrepartie annoncée. Sans contrepartie, et puis ça devient quelque chose, ça devient... vous savez, le groupe, il sera plus sérieux la prochaine fois. Si le groupe va prendre d'autres otages, personne ne va le croire. Parce que
dans une opération de prise d'otage, il y a toujours la menace. Oui. C'est-à-dire, on vous demande, il y a une demande de rançon ou la libération dans un délai. Même si un délai sera prolongé suite à des négociations, mais cette revendication, elle est soumise à une menace. Une menace, c'est l'exécution des otages. Oui. On le connaît dans, dans n'importe quelle opération. Là, il n'y a rien. C'est vrai, on comprend rien. On les libère comme ça. C'est vrai, on comprend rien. Ils les ont pris pendant 2 ans, ils les ont baladés. C'est pas facile de balader des otages dans le Sahel qui est plein de Français, de soldats français, d'espions, etc. Et puis après 2 ans, les relâcher comme ça, sans demande de rançon, sans contrepartie visible et officielle, c'est vrai qu'il y a vraiment de quoi se poser des questions. Effectivement. Effectivement, dans un pays qui se respecte, dans un pays véritablement démocratique et un état de droit, je pense qu'il faut y avoir des enquêtes, des explications. Premièrement, la famille des victimes, des deux victimes qui en ont le droit d'avoir l'information, surtout pour le diplomate qu'on dit selon les informations qui a été tué. Alors, comment il a été tué et pourquoi? Exact. Et par qui? Elle a été jetée sur une falaise. Et pourquoi? Est-ce qu'il a tenté de fuir? Est-ce qu'il y a une bagarre? Est-ce qu'il y a un conflit entre les membres du groupe? Et lui, il a été victime de ce conflit. La famille a le droit de savoir, informée des résultats d'une enquête. Et même le peuple algérien, nous avons le droit d'être informé parce que ce sont des fonctionnaires d'État, ce sont nos serviteurs, ils sont payés par les contribuables algériens pour servir l'État algérien. Nous avons aussi le droit d'être informés des résultats d'une enquête. Mais malheureusement, l'Algérie n'est un État démocratique, n'est un État de droit, n'est un pays qui se respecte. Donc je ne pense pas qu'il y aura une véritable enquête indépendante et impartiale sur ça. C'est sûr. Et d'ailleurs, ils n'ont même pas estimé utile de donner une quelconque information sur l'enlèvement, sur les conditions de la libération, rien. Ils ne disent rien, ils s'en foutent éperdument. Mais sinon, Soufiane Chouiter, sur cette autre sortie de Sellel que nous voyons ici en background, qui a eu l'idée saugrenue de déguiser les diplomates en joueurs de l'équipe nationale, on n'est pas sorti de l'auberge là, hein. Il faut vraiment mépriser les gens pour se livrer à une telle farce. Qu'est-ce que vous en pensez, Sien Schwetter? Vous savez, avant tout, mon éducation, vraiment, m'interdit à dire d'autres choses à ce monsieur-là, mais en tous les cas, en conclusion, c'est quelqu'un qui n'a aucun sens d'un homme d'État. Il ne mérite pas d'être à ce poste-là. Malheureusement, c'est le déclin de l'Algérie, tu vois. Quand il y a deux morts, c'est pour nous, c'est déjà dramatique. Deux Algériens, deux de concentrés sont morts en otage. C'est un jour de deuil. On doit être compatissant vis-à-vis des familles de ces deux victimes, même si on est content aussi pour la libération des autres otages et le retour à la famille. Mais il faut au moins un minimum d'obligation de réserve. Hein. Il faut avoir une pudeur vis-à-vis des deux familles qui font leur deuil et qui pleurent leur mari ou leurs enfants. Voilà, c'est le déclin. Oui. Est-ce que la presse canadienne a évoqué l'événement? Oh non, pour l'instant non, pour l'instant non, pour l'instant non, mais c'est pas. Mais quand les otages français ont été libérés, la presse canadienne en a parlé? Pas trop, c'est juste une information qui a circulé, mais pas trop. Généralement, les médias noirs américains ne sont pas vraiment trop penchés, à part que s'il y a les intérêts des pays nord-américains. Ça va alors, ça. Il y aura des détails. Ça va alors, ça nous rassure. Quand je lui ai du même mépris, que le mépris est également partagé, ou l'indifférence pour rester poli, ben c'est tant mieux. Soufiane Chouiter, merci beaucoup de nous avoir rendu visite, de nous avoir donné ces éclairages, en espérant vous revoir bientôt. Merci beaucoup. Soufiane Djilali, vous êtes avec nous? Oui, vous êtes encore. Alors, même si nous allons changer un peu de sujet, mais on profite du fait que vous soyez avec nous,
puisque vraisemblablement il n'y a pas grand-chose à dire sur cette libération, puisqu'il n'y a rien, aucune information. Je vais donc profiter du peu de temps qui nous reste pour vous demander où vous en êtes pour ce qui concerne votre exigence de l'application de l'article 88. Bon, écoutez, nous, on a pris une position de principe à Gilgamesh, et surtout au vu de l'état du pays, il y a une forme d'abandon général du pays. Les responsables, on ne les voit plus, on ne les écoute plus. Il n'y a aucun projet sérieux qui est présenté. Il y a eu le pseudo-projet d'amendement constitutionnel, et apparemment même le dernier conseil des ministres n'en a pas fait état. On est rentré dans la phase maintenant du désordre généralisé, même à l'intérieur du pouvoir. On a vu de quelle manière un des serviteurs les plus aimés de M. Bouteflika a été liquidé. Oui. Je pense que c'était pour attirer l'attention et menacer le reste des membres du terrain pour quiconque voudrait voler de ses propres ailes. Absolument. Donc voilà, l'Algérie est dans le pétrin. Donc il faut que des hommes et des femmes qui soient patriotes, qui disent ça suffit, au moins à prendre à témoin l'opinion nationale. Bien sûr que l'article 88, il aurait fallu l'appliquer dès avril 2013, oui. Mais vu la situation et la tournure des événements, il est bon de le rappeler aux Algériens, c'est un président complètement invalide, handicapé, incapable d'intervenir là où il le faut. L'Algérie n'a plus de président, on ne sait plus qui dirige le pays. Nous entrons petit à petit dans un magma incroyable. Je l'avais dit lors de cette conférence de presse, c'est comme l'histoire de la grenouille qu'on met dans l'eau et qu'on chauffe très progressivement. Elle ne s'en aperçoit pas, elle reste dans l'eau jusqu'au moment où elle est cuite et elle ne peut plus réagir. Oui. Les Algériens, nous sommes dans un bain comme ça où le pays est en train de s'effondrer. Ces institutions partent en vadrouille. Il n'y a plus aucune responsabilité, il n'y a plus rien du tout dans le pays. On se demande comment on peut le matin trouver encore de l'eau dans le robinet et avoir de l'électricité. Ça doit relever du miracle. Il n'y a plus rien dans le pays, ce qui fait très peur, parce que les semaines et les mois à venir peuvent être porteurs de très graves dérapages. Et on se demande comment le pays va s'en sortir, parce qu'il est pris dans une masse d'intérêts de gens qui n'ont plus ni foi ni loi. Ce sont des prédateurs, ils sont prêts comme des hyènes à manger leur proie sans la tuer, ils la trempent vivante. Et voilà, ce sont des moments extrêmement graves et les gens ne n'arrivent pas à percevoir ce danger-là. Ils vaquent à leur quotidien comme si de rien n'était. Les plages sont surabondantes, la saleté est partout. Et puis les gens vivent là comme ça, comme s'ils se sont habitués. C'est ça qui est terrible, mais le réveil va être beaucoup plus douloureux. C'est l'anesthésie générale. Mais sinon, Soufiane Gidali, moi je ne suis pas juriste, donc je vais me risquer à un exercice un peu périlleux. Est-ce que nous ne pouvons pas parler, en l'occurrence, d'un cas de forfaiture pour ce qui s'agit de Meddelsi et les autres membres du Conseil constitutionnel? Pourquoi? Je m'explique. Tout le monde voit que ce président est malade, au point où ils en sont arrivés à trafiquer les photos, à convoquer un Rennouchi, soi-disant, pour se faire recevoir, et ils nous mettent des photos d'archives qu'ils montrent. C'est effroyable. On voit que cet homme est complètement invalide. On dit même qu'il est devenu gâteux. Qui n'a même pas 5 minutes de lucidité dans la journée. On le voit, tout le monde le voit. Et Meddelsi et les autres membres du Conseil constitutionnel qui ont le devoir constitutionnel de s'auto-saisir. La Constitution a prévu qu'ils s'auto-saisissent, pas qu'ils soient saisis. De s'auto-saisir, pas pour empêcher le président, juste pour désigner une commission médicale composée de professeurs en médecine pour examiner le président et donner leur avis s'il faut entériner la procédure d'empêchement ou non. Or, Meddelsi refuse de s'auto-saisir. D'ailleurs, il a été placé juste après l'AVC du président. Donc, on a compris qu'ils ont voulu circonscrire toute velléité éventuelle. Et
Et là, est-ce qu'on ne peut pas parler de forfaiture? Et si tel est le cas, pourquoi la classe politique, comme vous par exemple, comme votre parti, ne porte pas plainte pour cas de forfaiture? Vous savez, on peut porter plainte, on peut qualifier cela de forfaiture, de complicité, de tout ce que vous voulez. Mais, monsieur Bessinov, je vais vous dire moi la vérité. Oui. Il n'y a pas d'hommes. Ce ne sont pas des hommes. Ce sont des gens qui sont là pour leur petit intérêt de personne. Ils suivent les instructions, ils ont peur du coup de téléphone. Ce ne sont pas des hommes, monsieur Benchenouf. Voilà la triste et amère vérité. Le pays est dirigé par une caste qui a tous les leviers entre les mains et qui a installé en vitrine des gens qui n'ont, je ne sais pas comment les qualifier, mais qui n'ont rien de vrais patriotes, qui ne sont en aucune façon des hommes politiques. Et je vous l'ai dit, et je l'assume, ce ne sont pas des hommes. Sofiane Gilali, Sofiane Gilali, sur ces mots très forts, qui sont les nôtres aussi et qui sont ceux de très nombreux Algériens, je vous remercie et je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Cette émission est maintenant terminée. À mercredi. Salam alaikum, Azul.